Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc, on va commencer le tarot. Avant, en fait, je voulais juste faire un petit mot concernant en fait les énergies en fait que j'ai tirées hier. Et je voulais en fait poser cette question. Le matin, quand vous vous réveillez, quel type de pensée avez-vous? Est-ce que votre pensée est positive ou est-ce que vous êtes en train de réfléchir sur ce qui vous est arrivé la veille ou on va dire si vous avez eu des émotions négatives? Parce qu'en fait, le début d'une journée, en fait, va donner la tonalité en fait à toute votre journée. Et donc, si vous on va dire, ne construisez pas une pensée positive dès le début en fait de votre journée, eh bien souvent en fait votre journée ressemble à la précédente et la précédente ressemble à ce que vous avez vécu une semaine avant ou voilà. Et donc en fait c'est comme ça que je vous dis, on est un petit peu comme des souris qui tournent dans une roue du karma. Parce que en fait, on ne sait pas modifier dès le début de la journée des pensées qui sont des pensées récurrentes, qui sont des pensées négatives, la façon dont vous vivez. Et donc en fait, souvent en fait, on a l'impression aussi que ces pensées, eh bien finalement, ce sont des pensées automatiques que le cerveau nous envoie. Je vous rappelle que le cerveau, c'est juste un logiciel. Donc vous avez choisi un logiciel A, eh bien le logiciel A vous donne toujours les mêmes pensées. Et donc ce qui est assez, puisqu'en fait on est sur des ondes électromagnétiques au niveau du cerveau, au niveau des pensées, eh bien on va dire que tout ce que vous ensuite vous attirez dans votre journée, en fait, c'est simplement en fait des signaux de retour par rapport à la pensée initiale que vous avez eue au matin en vous levant. Alors si vous êtes très déprimé par exemple, eh bien donc vous pensez à des choses très déprimantes, vous tournez dans un cercle vicieux qui est le cercle de la déprime et de la dépression. Et évidemment, toute la journée, vous allez attirer, on va dire de façon électromagnétique, hein, ce sont des pensées et des émotions, donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur les émotions. Vous n'attirez évidemment que de l'émotionnel négatif, et donc lorsque vous allez sur YouTube ou lorsque vous allez discuter avec une personne, ou vous allez déclencher des situations, des façons d'être, évidemment, qui ne seront qu'un signal par rapport à cet émotionnel. Il faut savoir que l'univers, par rapport en fait à ce que vous percevez, ce que vous ressentez, à votre émotionnel, c'est juste une éponge, voyez. Donc en fait, vous épongez finalement le signal originel de la pensée initiale du début de la journée. Voilà, je voulais juste préciser cela parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont dans des états justement émotionnels où en fait, bon bah écoutez, ce ne sont que des reproductions de votre passé. Et donc c'est pour ça que je tire aussi les cartes parce que, bien écoutez, j'ai compris dans ce méandre émotionnel que lorsque en fait on structure sa pensée, lorsqu'on décide par exemple le matin de se lever et de se dire aujourd'hui je ne veux pas vivre ce que j'ai vécu hier, je ne veux pas avoir cette émotion-là, je veux par exemple me projeter dans ce type de situation, des choses positives pour vous. Voilà, vous allez vous inscrire donc au conservatoire si vous voulez faire de la musique, ou vous avez décidé de monter une organisation caritative, ou vous avez décidé d'entrer dans une école ou de vous inscrire à une formation. Et donc tout cela, en fait, toutes ces choses positives que vous allez acter dans la matière va faire que vous allez vous sortir petit à petit de cette espèce d'éponge émotionnelle négative, de tous les messages évidemment qui sont corollaires à ces émotions négatives. C'est pour ça que j'avais fait ce message pour dire qu'il ne fallait pas regarder des vidéos de tarot YouTube en boucle parce que évidemment,
Évidemment, vous ne faites que réactiver un signal ultra négatif, surtout quand évidemment les personnes qui vous tirent les tarots sont évidemment des énergies du passé que vous réactivez sans arrêt, et donc en fait vous tournez dans un cercle, hein. Je parle notamment pour des gens qui font sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, des vidéos sur les triangulaires, qui sans arrêt donnent systématiquement les mêmes messages. Et justement, pour sortir de ce cercle vicieux, eh bien, il faut pouvoir avoir de nouvelles pensées, et c'est par l'imagination, par la projection de nouvelles idées que vous allez petit à petit construire votre nouvel émotionnel. Vous allez pouvoir sortir de ces systèmes de dépression, et petit à petit, en fait, votre environnement proche se modifie. Mais tout commence par l'intellect. Vous ne pouvez pas changer votre vie du jour au lendemain, simplement parce que quelqu'un dans la divination ou autre va vous dire quelque chose. Je veux dire, c'est pour ça, ça paraît complètement. Bon, je m'en suis rendu compte encore il y a quelques jours. Moi, ce que je fais, c'est des hauts potentiels, des choses auxquelles vous pouvez vous agripper d'un point de vue intellectuel pour pouvoir sortir de votre émotionnel négatif. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer le tarot parce que. Bon, je ferai une vidéo complète là-dessus, hein, voilà. Et je vous invite vraiment, vraiment, toutes et tous, en fait, à lire des livres de neurosciences. Alors, je sais, il y a des gens qui sont très religieux, qui croient aux anges. Bon, c'est très bien, les anges, tout est bien. Mais il faut construire son intellect. Donc là, on a Ekamia, carte numéro 16, la lettre hébraïque c'est Aïn, et donc on est dans le troisième œil, on est dans la prise de conscience. Donc c'est une carte violette. Donc violette, évidemment, ben, écoutez, on est dans le chakra de la couronne, hein, on est dans le chakra aussi numéro 8, et en même temps, on est à la fois sur le chakra de la gorge avec du bleu, mais on est beaucoup dans le violet. Là, nous sommes sur Oumabel. Donc, en fait, Oumabel, carte numéro 61. Donc, ça concerne évidemment l'émotionnel, les relations amoureuses. Le 6, hein, c'est l'amoureux, c'est aussi Samech, les dépendances affectives. Et là, en fait, on passe un step. Hein, ça concerne les signes d'eau. Puisque, évidemment, la carte, vous voyez, elle est orange. Et donc, évidemment, bien, le orange, on est à la fois dans le chakra sacré et en même temps. On est dans le chakra numéro 3, dans le chakra qui correspond à la carte du chariot. Donc voilà. Et donc vous avez remarqué le 16 et le 61 qui est inversé. Alors, et là nous sommes sur la carte 70, Jabamia. Voilà. Donc là, c'est plus particulier cette carte en fait. Vous voyez, on est à la fois dans Keter, parce que c'est gris, un peu blanc, et en même temps, on est sur un jaune qui peut s'affirmer, un jaune très 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 clair. Donc en fait, on est vraiment sur le chakra numéro 3, sur le chakra du plexus solaire. Et en même temps, évidemment, le 7, évidemment, c'est la lettre hébraïque. Enfin, je veux dire, c'est le chariot, et donc c'est la lettre hébraïque Zaïn. Donc en fait, on est sur quelque chose qui va trancher. Il y a une vraie prise de conscience, vraisemblablement, pour certaines personnes. Et donc là, en fait, on est carte numéro 59, hein, je vous la montre. Donc on est toujours dans le jaune, on est toujours dans le bleu, et on est sur la création, évidemment, chakra, voilà, le orange. Donc en fait, on est à la fois sur le chakra sacré. On peut aussi sortir du chakra de la survie, hein, du chakra racine, pour, on va dire, irradier peut-être un début de message de chakra de la gorge, une espèce de potentialité, si vous voulez, pour avancer.
4 numéro 59, évidemment, on est dans le chakra numéro, enfin dans le chakra, la carte numéro 14. Et donc, c'est bien sur la tempérance. Donc, on est bien avec une personne qui est en train de se déplacer ou qui va bientôt se déplacer. Il y a aussi les pensées, l'émotionnel est en train de se transformer. Donc, voilà, et c'est un petit peu ce que je vous disais. Ce que je vous disais en tout cas en ce moment. Alors j'avais bon bah écoutez là c'est fini pour les anges. Hop, on va parler de Lise Bourbeau maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit carnet? Alors. Alors là, on est sur l'abandon et l'injustice. Alors, je vais prendre les trois cartes. Voilà. Donc, je vous montre. Dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Donc effectivement, là, vous avez demandé aucun avis à personne. Vous allez faire ce qui vous semble le mieux pour vous aujourd'hui. Ensuite, deuxième carte de l'abandon. Donc ce sont des blessures. Hein, vous trouverez tout ça dans le livre de Lise Bourbeau. Les cinq blessures qui vous empêchent d'être heureux, je crois. Voilà, c'est ça. Je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup le chakra numéro 3. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. Voilà, donc en fait, vous avez des peurs, vous avez l'impression d'être en danger, c'est pour ça que vous n'avancez pas. Eh bien, aujourd'hui, vous allez être dans le plexus solaire, en tout cas dans les prochains jours, parce que vous allez être attentif, vous allez regarder votre pensée et vous allez comprendre en fait de la façon dont les mécanismes émotionnels en vous-même en fait provoquent cette angoisse, provoquent cette peur et vous empêchent d'avancer. Et il faut que vous soyez au calme et que vous ayez confiance en vous. Ah ben attendez, j'ai pas lu l'injustice. Voilà, je vous montre la carte de l'injustice. Quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Oui, alors justement, évidemment, par rapport à ce qu'on disait précédemment, il ne faut pas aller dans la précipitation. Il faut être dans l'observance de votre pensée et aussi de votre émotionnel. Ne pas faire les choses par réaction, ne pas faire les choses par fuite ou par exil, mais prendre le temps de réellement ressentir quelles sont vos peurs qui vous poussent souvent peut-être à décider de façon assez rapide, en fait, par exemple, de partir d'une situation ou au contraire, qui vous empêche. Enfin. Et donc là, c'est intéressant, entre l'abandon et l'injustice, eh bien, on est vraiment sur deux tonalités différentes et on est avec finalement des personnes d'un point de vue émotionnel qui partent, qui vont d'un extrême à un autre. Donc là, en fait, on vous demande en tout cas d'avoir des pensées justes et surtout d'être de rééquilibrer en tout cas aujourd'hui votre émotionnel. Alors je prends les tarots. Si vous êtes sûr de vous, c'est pas la peine de vous précipiter, voyez. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, bah écoutez, moi je me prépare, là j'ai presque terminé. Et donc voilà. Ça va être sympa. Je me précipite pas, vous voyez. Moi, je prends mon temps. Alors, bon, on a le pape à l'envers. Le pape à l'envers, bah justement, on est un petit peu dans la dispersion, on est sur de la désunion, on est sur de la séparation. Pourquoi? Eh bien, parce que on va dire que
votre émotionnel, vos peurs, vos angoisses, et bien tout tourne à l'envers, hein, c'est assez compliqué. Donc on fait les masculins bien sûr, mais on peut faire aussi un petit peu les féminines. Bon, évidemment, c'est assez intéressant parce que eh bien, on est dans une désorganisation, hein, comme vous pouvez le constater, hein, le pape à l'envers, c'est rien d'autre que ça. On est sur de la désunion, on est sur des choses qui peut-être sont totalement bousculées, hein, vraisemblablement, parce que le pape, eh bien, on va dire, c'est un peu comme le hiérarque. Voilà, vous aviez des pensées, vous aviez une façon de vivre, une façon d'être, vous aviez des amis autour de vous, et on va dire qu'avec ça, eh bien, tout est remis en question. Vous étiez engagé peut-être dans des contrats ou peut-être par rapport à des personnes. Et là, en fait, eh bien, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui tient la route, finalement. Et la seule chose finalement qui tient la route, c'est d'aller sur une nouvelle voie. Donc en fait, là, on est vraiment avec des personnes qui sont en train de complètement soit faire table rase du passé, soit complètement réorganiser leur vie, voyez. Alors, donc là, ah, bah écoutez, bonne nouvelle, 10 de bâton. Bon, bah, il y a des gens qui sont en train de laisser tomber leur fardeau. Alors, c'est quand même à l'envers, donc on n'y est pas encore ou on va y être, mais en tout cas, on est sur un entre-deux, ça c'est très clair. 10, évidemment, c'est la roue du karma. Donc, bah, écoutez, la roue du karma, et vous arrivez au bout d'un cycle, la roue vous a bien écrasé, et là, en fait, eh bien, on va dire, c'est un véritable champ de bataille. Hein. Là, nous sommes avec la justice. Donc, là aussi, c'est par rapport à une décision. Vous arrivez au bout d'un cycle. Et vraisemblablement, les masculins, vous n'avez pas encore pris de décision ou vous êtes en train de vous libérer peut-être d'un fardeau très important par rapport à la justice. On va dire que d'un point de vue karmique, tout est complètement déséquilibré. On va dire que l'épée est à l'envers. Hein, voilà. Donc en fait, ça signifie bien qu'il y a des choses que vous avez laissées traîner dans votre vie, il y a des choses que vous n'avez pas voulu prendre de décision. Voilà, les choses sont restées en suspens et là on arrive au bout d'un cycle. Et là, vraisemblablement, eh bien, on va dire que bon, bah, c'est un petit peu comme au bowling, toutes les quilles sont par terre. Voilà, et là, visiblement, il va falloir prendre une décision. Et comme on a le pape aussi à l'envers, ça concerne visiblement une décision par rapport à une union, par rapport en tout cas à de nouvelles structures dans votre vie. Voilà, qu'elles soient au niveau de votre vie conjugale, qu'elles soient au niveau des personnes qui sont autour de vous. En tout cas, on va dire qu'il y a des personnes qui font table rase du passé. On va dire que c'est totalement karmique. Et voilà. Et donc là, en fait, on est sur un 5, on est sur un 5 de bâton inversé. Donc on va dire que pour certains, par rapport à des histoires de justice, de procès, par rapport à des contrats, eh bien, on va dire que là, vous avez tenu les positions. Et donc là, visiblement, vous lâchez vraisemblablement, puisque cette carte est à l'envers, vous lâchez ces positions. Il y a une histoire de chakra du cœur, évidemment. Mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a eu un tel enlisement, en fait, que là, vous lâchez votre fardeau. 10 et 5, évidemment, ça fait 15, donc on est bien dans sa mèche. On va dire que vous étiez sur des formes d'injustice, voilà, c'était extrêmement déséquilibré. Et donc, en fait, vous avez peur, évidemment, de passer à autre chose parce que vous avez peut-être un syndrome de l'abandon. Et donc, vous êtes resté dans des situations ultra bloquantes, une situation où vous étiez dans des systèmes de culpabilité et de soumission. Vous vouliez faire bien les choses, vraisemblablement, parce qu'on est quand même sur la justice. Et vraisemblablement, on va dire que bah, autour de vous, on va dire, on en a plutôt profité. Et aussi, avec le pape, ça concerne aussi des unions, ça concerne aussi des contrats de mariage, voilà, ou des choses avec lesquelles vous étiez engagé, qui, eh bien, qui, là, c'est beaucoup trop lourd, et là, en fait, vous êtes en train de totalement lâcher vos dépendances, et ça concerne en tout cas des séparations. Attendez, je vais mettre sur pause parce que y a beaucoup trop de bruit dans le. J'arrive tout de suite. Voilà, je reviens. Donc, je vais prendre mon tarot classique. Allez.
Alors là, il était une fois en Amérique. Donc on est sur un 8 de denier. Donc là, effectivement, on a des masculins qui sont en total burn-out. On vous dit que c'est la fatalité, évidemment, puisqu'on a vu qu'on était dans la roue de la fortune. Vous avez accumulé une grande fatigue, vous êtes totalement désabusé, vous êtes dans les désillusions, le surmenage, la frustration. Vous avez fait des investissements médiocres, hein, évidemment. Alors, il était une fois en Amérique, c'est Sergio Leone, hein, c'est un très beau film, bien sûr. Et donc, on peut dire que eh bien, vous étiez parti peut-être dans un pays étranger et donc, en fait, eh bien, ça n'a rien donné. Donc, en fait, on a la justice à l'envers. Il y a peut-être des gens, en fait, qui ont perdu, on va dire, dans un procès, peut-être en Amérique ou dans un pays étranger. Enfin, bon, bref, vous avez investi du temps, vraisemblablement, et vous pensiez que ça allait générer visiblement des choses intéressantes d'un point de vue financier. Et bah, c'est le 8, c'est l'équilibre, c'est la justice. Et on va dire que eh bien, vous n'avez pas eu de bol, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, en tout cas, vous allez affiner vos capacités petit à petit, enfin, dans un avenir proche. Vous allez vous découvrir un talent, ça va être un trésor visiblement. Vous allez sortir aussi de vos corvées. C'est pour ça qu'on a, vous voyez, on a le pape à l'envers parce que vous avez décidé de ne plus faire les choses comme avant. Et derrière, on a la papesse aussi à l'envers. Donc vous allez probablement prendre des connaissances ésotériques et vous allez sortir en tout cas de cette. Ça peut être aussi de la dualité mentale, évidemment. En tout cas, vous allez être visiblement dans la maîtrise, dans un certain savoir-faire. Et donc, ça concerne en fait de nouvelles valeurs. Et ça concerne aussi du commerce. Donc, je vais mettre cela ici. Voilà, il était une fois en Amérique. Alors. Donc là, bah, c'est Top Gun, hein. Vous êtes en train de prendre votre envol, hein, mes amis. On est sur un valet de bâton. Alors, pour certains, vous êtes sur les débuts d'une aventure sexuelle, vous êtes dans le dynamisme, en tout cas, vous allez l'être. Ça concerne des événementiels ou un événement instructif. Vous allez reprendre de la jeunesse et de la vitalité. Voilà, donc en fait, vous êtes peut-être dans les bois ou vous êtes en train de vous déplacer dans les bois. En tout cas, ça va être très valorisant, on va dire. Donc, il y a des gens qui se font courtiser en ce moment. Donc, voilà. Et c'est suite, en fait, au raisin de la colère. Voilà, c'est-à-dire que. Voilà, vous étiez dans les mondanités, dans les sorties diverses et vous avez compris qu'il y avait beaucoup de malveillance et beaucoup de mensonges. Voilà, vous étiez dans le sexe entre amis et donc en tout cas, vous avez suivi de très mauvais conseils. Évidemment, hein, on vous a dit, ben, en attendant votre âme fleur, flamme jumelle, eh bien, vous allez au cinéma avec vos amis et vous allez vous retrouver quelqu'un. Vous allez combler votre vide, évidemment, vous vous rendez compte avec Top Gun que... Eh bien, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc en fait, bon, vous êtes visiblement, vous avez des plans, mes amis. Donc là, on retrouve Flashdance, le 4 de coupe, Flashdance. Bon, bah écoutez, c'est la déprime, c'est la lassitude. Donc, suite peut-être à une petite aventure sexuelle, les masculins, eh bien, vous êtes de nouveau dans la déprime, la lassitude et la fuite de l'amoureux, vous êtes dans la rigidité et dans les blocages, en tout cas, vraisemblablement. Mais vous allez aller vers, on va dire, de la solidité. Voilà, vous allez passer, en tout cas, visiblement, cette période de peut-être de colère ou d'intériorité. Vous étiez un petit peu en retrait. Donc là, ça repart un peu, hein. Vous avez vu une danseuse. Et donc, en tout cas, vous allez aller petit à petit, visiblement, avec une flange dance. Dans la construction, dans la sécurité, dans le réalisme, voilà, des choses un peu fiables et beaucoup de satisfaction. Alors, évidemment, c'est un cadre de coupe, hein, donc il y a quand même un chemin à faire au niveau émotionnel. Il y a quand même un chemin à faire au niveau émotionnel. Bon, après, ce n'est qu'un valet de bâton, donc en fait.
Il y a des masculins qui vont probablement arriver gentiment vers des féminines, mais on va dire il y a quand même un délai parce que bah, le cadre de coupe, c'est vous voyez pas en fait encore les choses clairement parce que vous êtes beaucoup dans votre émotionnel et comme on a la justice à l'envers, évidemment, eh bien vous êtes surtout dans la roue du karma. Là, vous êtes en train de vous dépêtrer d'une situation et vraisemblablement, vous avez envie de changer complètement votre vie. Vous voyez, tout ça vous emmerde profondément et maintenant, vous avez envie de passer à autre chose. Oui, bah, vous passez à autre chose, hein, voilà, quand Harry rencontre Sally. Hein. Donc, on est bien sur ces énergies-là, en tout cas. 4 et 5, 9, voilà, bon, bah, c'est peut-être aussi une Sally qui fait son comeback, hein, voilà. Et donc, en fait, c'est suite à une relation fatale, une relation qui vous a mis dans une profonde déprime. Et donc là, il y a un changement de vie et il y a un partage de l'abondance hein, avec Harry ou Sally. Il y a une nouvelle alliance et vous êtes plein d'espoir, justement, par rapport à cette nouvelle rencontre. Et vous étiez sorti... on va dire d'un désordre émotionnel, en tout cas c'est ce qui est en train voilà, d'arriver, ce désordre émotionnel, et vous vous êtes dit finalement, ben écoutez, voilà, encore un truc qui ne marche pas, et vous êtes dans un regret qui est inutile, hein. Voilà, c'est un 5 de coupe, donc on est beaucoup dans l'émotionnel, je vous dis, donc là, par rapport à mon message, eh bien, il faut canaliser évidemment votre émotionnel par des pensées évidemment qui vont vous faire sortir évidemment de cette fatalité hein, de toute manière. Et donc, on peut dire que pour certains masculins, vous avez beaucoup de difficultés avec un héritage, qu'il soit matériel, mais ça peut être du transgénérationnel. Parce que, eh bien, vous ne voyez pas encore visiblement les choses clairement, parce que vous vous accrochez à d'anciens problèmes ou peut-être à d'anciennes personnes ou à d'anciens modes de fonctionnement. Alors, je vais prendre mon tarot Voilà. Bon, bah écoutez, là on est sur un 4 de denier, donc cela concerne les charlatans, mes amis. Donc on était bien avec, vous étiez bien les masculins, avec une personne fausse vraisemblablement, voilà, dans votre vie. Donc c'est un 4 de... C'est un 4 de denier. Donc en fait, ça concerne une défaite peut-être par rapport à une décision de justice aussi. Et donc vous vous dites, eh bien, il y a d'autres filles. Et donc en fait, là, vous êtes sur le départ. Ça concerne en tout cas peut-être une réunion. Un triomphe en tout cas sur un départ et visiblement vous étiez dans une certaine forme de rivalité dans un amour. Donc en fait on va dire qu'il y a des hommes visiblement qui n'ont pas choisi entre deux personnes ou qui ont fait tout simplement le mauvais choix. Voilà, vous n'avez pas choisi Flashdance, vous avez encore moins choisi Sally et donc en tout cas avec ce 4 de denier, eh bien vous allez garder aussi peut-être secret votre départ ou peut-être vos projections dans l'avenir. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, dans le passé, évidemment, quelqu'un a usé d'un filtre, d'un élixir d'amour préparé pour en fait une demande en mariage. Alors, vous voyez, il y a des gens qui se sont fait vraiment manipuler dans tous les sens. Et puis, en fait, eh bien, on va dire que l'amoureux était absent, donc le mariage ou le contrat de mariage a été reporté. Et ça concerne aussi... ça concerne aussi peut-être un héritage, quelque chose que vous avez compris visiblement. Vous avez peut-être effectué plusieurs redoublements karmiques. Et donc, en tout cas, ça concerne des hommes, en tout cas, qui sont visiblement de bons partis. Et donc, qui ont eu affaire à des charlatans. Voilà. Voilà. Et puis, l'élixir d'amour, je vous dis, bon, bah, y a des gens qui sont allés voir...
des personnes qui coupaient le cou des poulets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est toujours sur un 4 de coupe. Voilà, donc c'est l'amour conjugal. Donc là, vous êtes parti, hein, vous êtes top gun hein, aujourd'hui, les masculins. Et là, vous êtes parti. Vous êtes parti, donc avec. Et là, vous avez l'intention d'aller sur. Visiblement, avec le pape à l'envers, ça ne va pas être très conventionnel, mes amis. Donc voilà, vous avez des idéaux de liberté et de fraternité. Vous espérez un succès après une très longue interruption, visiblement avec une personne en tout cas. Et donc en tout cas, vous êtes en train d'aller vers l'ultime version de vous-même après d'énormes modifications. Bon bah écoutez, c'est un peu comme les logiciels, hein, évidemment, il faut les travailler, hein. On ne peut pas du jour au lendemain devenir une œuvre d'art, hein, mes amis. Au début, on est juste un espèce de bout qui a l'air de rien. Et donc, en tout cas, vous allez aller, les masculins, mais aussi les féminines, hein, je vous dis, tout le monde est en miroir, vers en fait un succès durable, une joie extatique de libération. Donc, il s'agit évidemment de Fidelio de Beethoven, hein, puisque là, je fais l'opéra. Donc, voilà, eh bien, après avoir, on va dire, eu une déception sentimentale, eh bien là, vous avez une très grande clairvoyance par rapport à une personne. Et donc là, en tout cas, aujourd'hui, les masculins, vous êtes dans vos émotions par rapport à de l'amour conjugal. Alors là, évidemment, bon, bah écoutez, là, il y a des cavaliers qui arrivent, hein, il y a des gens autour de vous, voilà, il va falloir en découdre, hein, on est sur un 5 un 5 de carreau, donc en fait c'est un 5 de bâton. Donc en fait ça concerne en tout cas des contrats légaux, ça concerne aussi une alliance, donc évidemment ça concerne un contrat de mariage, des avocats, des transferts de propriété, des courtiers, peut-être des courtiers aussi en tableau d'art. Et vraisemblablement vous avez eu un gros problème puisque la justice est à l'envers. Et donc là vous êtes en train de vous battre par rapport à cela. Mais on est en train en tout cas de quitter une situation, ou en tout cas on va la quitter. Ça concerne évidemment de l'engagement, un engagement qui doit être tenu. Vous aviez en tout cas un objectif et l'on vous dit aujourd'hui qu'une action est possible. Et donc ça concerne en tout cas vraisemblablement des transactions qui sont en cause et on va dire l'échec sur un contrat ou sur des transactions. Et donc en fait on vous avait dit dans le passé d'être prudent par rapport à vos investissements vraisemblablement. Et visiblement ça concerne aussi peut-être des contrats ou peut-être des tribunaux à l'étranger et notamment aux États-Unis en Amérique. Voilà. Donc là, en tout cas, vraisemblablement, vous allez être. Il va aussi y avoir une action possible. Une action possible par rapport à Flashdance, donc par rapport à une féminine. 4 et 5, 9. Donc voilà, on est toujours dans l'introspection, mes amis, on est dans l'introspection. On est dans l'ermite aujourd'hui aussi au niveau des énergies. Et donc là, en tout cas, par rapport à une nouvelle rencontre, eh bien, nous sommes sur le dialogue des carmélites. Bon, évidemment, on sort d'une situation de fatalité sentimentale, donc ce n'est pas évident. Et donc là, en tout cas, avec le dialogue des carmélites, eh bien, vous allez avoir une attitude de détachement par rapport à une rencontre ou par rapport à une nouvelle union ou aventure sexuelle, mes amis. Et parce que vous allez posséder une vision, on est sur un 6 d'épée. Donc en fait là on est en train de partir on va dire d'une forme de redoublement karmique. Vous voulez la fidélité, vous êtes dans le dévouement, vous voulez visiblement rencontrer une personne de confiance, quelque chose qui soit très équilibré, qui ne soit pas dans la discorde, dans la trahison, dans la froide détermination, on va dire peut-être par rapport peut-être par rapport à de l'argent, enfin vous étiez en tout cas visiblement enfin, avec des personnes qui bon, vous ont mis peut-être dans des systèmes judiciaires pour récolter de l'argent, en tout cas vous étiez entouré de charlatans. Et donc là avec le 6 d'épée, eh bien vous allez avoir une très grande clairvoyance sur cette nouvelle rencontre qui va arriver. Alors on est sur un 5 de coupe, hein, ça veut dire que c'est une personne qui est visiblement dans votre entourage, mais que vous n'avez pas vu les masculins.
Voilà. Et donc là, ça va être assez original puisqu'on a évidemment le pape inversé. Alors, je reviens tout de suite, bougez pas. Donc en fait, on reprend. Donc en fait, le dialogue des Carmélites aussi, c'est qu'après, en fait, eh bien, une fois que vous serez sorti de cette situation, eh bien, vous allez faire des choses au beau moment. En tout cas, ça va être un système un peu de précision. Il va y avoir des synchronicités. On vous dit aussi que le temps dans ce cycle est révolu. Et donc vous allez devoir aussi, on va dire, tout ce que vous allez mettre en place, eh bien, ça va être sur votre talent. Et vous allez aussi changer peut-être vos modalités d'existence au niveau des valeurs, puisque vous allez peut-être renoncer à une certaine forme de valeur matérielle. Donc voilà, donc en fait c'est un peu le dialogue des Carmélites, c'est-à-dire qu'on est avec des masculins qui vont devenir un petit peu, qui vont en tout cas s'engager dans une voie plus spirituelle, donc évidemment de recherche de leur enfant intérieur, si ce n'est pas déjà fait. Alors on continue avec mon tarot le tarot égyptien. Voilà, hop. Donc là, nous sommes, bien évidemment, carte numéro 16. Hein, donc c'est bien la tour effondrée. Donc voilà, donc on est bien, on va dire, dans la matière, sur quelque chose qui se termine. La tour effondrée, c'est aussi par rapport, en fait, à un engagement ou par rapport à une union. En tout cas, vraisemblablement, c'est une situation de justice qui s'arrête. Et là, en fait, eh bien... vous arrêtez de vous battre, visiblement, vous cessez d'alimenter en tout cas cette situation. Là, nous avons le pape à l'endroit, donc vous voyez, il est à l'endroit et à l'envers. Donc en fait, vous étiez sur, on va dire, des traditions, peut-être sur des formes d'hérédité, ou tout simplement sur un redoublement karmique concernant évidemment l'amour conjugal. Donc voilà, donc vous étiez dans une forme en fait très traditionnelle ou traditionnalisme de relations conjugales. Et là, vraisemblablement, il y a une cassure avec le 4 de coupe et donc le pape. Ensuite, donc là, nous avons le roi de bâton à l'envers. Donc très clairement, vous n'actez plus rien dans la matière, vous laissez tomber les choses. Vous laissez tomber les choses sur de la justice. Voilà, vous laissez tomber aussi ce cycle aussi par rapport à ces valeurs traditionnelles ou traditionnalistes. Et après, eh bien, on a un 2. De pentacle à l'envers. Donc vraisemblablement, vous laissez de côté aussi la dualité du mental, parce qu'évidemment, vous allez en tout cas développer avec un 6 d'épée. D'abord, vous allez vous barrer, hein, voilà, et puis vous allez développer évidemment un dialogue intérieur, un dialogue avec vous-même. Et cela va apporter évidemment quelque chose de nouveau, un renouveau. Le pape à l'envers, évidemment, vous quittez des structures mentales du passé, vous quittez votre hérédité, vous quittez aussi votre réseau relationnel, hein, c'est pour ça qu'on a la tour. Tout est en train d'être détruit. C'est la véritable désorganisation, il n'y a plus rien sur le champ de bataille. Et visiblement, c'est ce qui se produit en tout cas aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc là, on est en train de s'acheminer soit vers quelque chose de nouveau, un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie. Voilà, c'est un beau salon. Ça peut concerner des personnes qui sont assez esthètes, vraisemblablement. Et c'est aussi la carte numéro 21. Donc, c'était l'équivalent de la carte du fou. Donc, en fait, on est sur quelque chose de complètement différent. C'est aussi un nouveau...
une nouvelle vie, on va dire, hein, quelque chose qui débute. Et vraisemblablement, ça peut concerner aussi des relations sentimentales ou un rendez-vous. Donc là, j'ai tiré sur le pape la personne principale. Hein, donc en fait, on va peut-être quitter ses vêtements de dandy, vous hein, voyez. En tout cas, vous étiez vraisemblablement assez classique pour certains masculins. Et puis là, en fait, on est aussi sur un bonhomme riche. Donc, par rapport à de la justice, eh bien, vous étiez dans de la stratégie, mais là, vous lâchez l'affaire avec le roi de bâton à l'envers, vraisemblablement. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, mais moi, ce que je sens, c'est que là, vous avez envie de passer à autre chose et qu'il n'est plus le temps, visiblement, de se préoccuper, on va dire, de choses qui vous tirent en arrière, qui vous tirent dans votre passé. Là, par rapport à un 2 de denier à l'envers et par rapport aussi quelque chose sur lequel vous vous battiez, voilà, vous aviez pris une décision, visiblement, qui peut, vu que la justice est à l'envers, ça peut être aussi une décision peut-être négative, en tout cas. Et donc, en tout cas, vous aviez gardé la même attitude, on va dire, et parce que vous étiez peut-être aussi dans une dualité mentale. Ça concerne aussi des valeurs matérielles et donc par rapport à d'autres personnes. Et donc là, en fait, il n'y a plus de choix à faire visiblement concernant une personne qui semble être dans votre vie la personne principale. Donc en fait, dans le jeu, on a à la fois l'homme et la femme. Vous voyez, on a les deux personnes principales aujourd'hui. Et donc, on est quand même sur la carte de Harry rencontre Sally et le dialogue des Carmélites. Donc, ce que je peux vous dire, c'est d'abord, il y a une rencontre, effectivement, puisqu'avec le salon, on va avoir une rencontre dans un nouveau salon ou dans un nouveau lieu de vie, visiblement. Et en même temps, évidemment, cette rencontre, en tout cas, cette relation qui va se produire, va être extrêmement mystique, hein, puisque nous sommes sur le dialogue des Carmélites. Et donc, en fait, c'est suite à beaucoup de souffrances, puisqu'en contre, j'ai les souffrances du jeune Werther. Voilà, je crois que c'est Stéphane Zweig. Alors, ensuite, bon, on va continuer avec le tarot. Donc, il y a quelqu'un, visiblement, qui est assez tranquille. C'est peut-être un collectionneur ou c'est quelqu'un qui aime l'art, visiblement. Qui aime aussi les animaux, qui aime les choses un peu particulières. La personne principale, donc c'est un masculin, la carte numéro 1. Donc en fait, on est aussi dans Aleph. Hein, donc en fait, c'est quelqu'un qui va réunir ses forces, visiblement. Voilà, c'est quelqu'un qui va élaborer une nouvelle stratégie, on va dire, intellectuelle, hein, pour construire quelque chose de complètement différent, pour sortir aussi de ses. De ces valeurs, des valeurs sociales, des valeurs d'hérédité. Ah, il y a peut-être des gens qui prennent l'avion avec Top Gun. Donc là, on est sur une reine de coupe, hein, donc évidemment, ça concerne une relation avec une belle connexion. Une belle connexion, évidemment, c'est le dialogue des Carmélites, hein, je ne vous fais pas de dessin. Alors là, nous avons, hop, une jeune fille de bâton à l'envers. Donc, quelqu'un, on va dire, peut-être quelqu'un qui a porté beaucoup de passion à un homme, eh bien, elle est à l'envers, on va dire qu'elle n'est pas là pour le moment. Voilà, il y a peut-être eu beaucoup de malveillance ou des gens qui ont très mal parlé sur cette personne, puisqu'on a le symbole du serpent, à moins que cette personne est en train d'énormément travailler au niveau de sa connaissance. Hein. Ça concerne évidemment un homme. C'est pour ça qu'on a le pape, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une autorité. Voilà, alors ensuite on a le chercheur, donc là on est en plein dans l'ésotérisme. Donc là on est en train de quitter une situation, hein, carte numéro 13, le bonhomme riche c'est la carte 13, donc on coupe par rapport à des peut-être des systèmes ésotériques ou par rapport à une personne qui en fait était dans l'ésotérisme. Voilà, parce qu'en fait, vous ne pouviez pas choisir visiblement par vous-même, par rapport en tout cas à cette personne. C'est la carte numéro 9, donc c'est bien une personne du passé. Alors,
Il y a peut-être des féminines par rapport à des masculins qui sont aussi dans l'occulte ou dans l'ésotérisme ou on va dire dans une certaine forme de clairvoyance ou qui sont tout simplement des personnes qui sont connectées. Le dialogue des carmélites, c'est ça aussi. Mais moi, ce que je sens de façon un petit peu plus trouble, c'est que dans une histoire de justice ou de séparation avec une personne de votre passé, les masculins, eh bien, il y a eu des gens qui ont, on va dire, manipulé les énergies de façon à vous laisser, on va dire, dans un no man's land ou dans un. Dans, qui ne vous ont pas donné la possibilité, en tout cas, de trancher dans une situation. Ça concerne l'amour conjugal, vraisemblablement, et ça concerne des personnes autour de vous, donc ça concerne votre cercle soit relationnel, soit des cercles d'amis, soit évidemment des membres de votre famille. Et donc visiblement, vous avez été bloqué par quelqu'un qui pouvait être dans l'ésotérisme ou dans l'occulte ou manipuler, je vous dis, de la mauvaise énergie, des énergies basses. Donc là, on est sur un 8 de Pentacle. Donc on va dire que par rapport à une féminine, vous allez énormément travailler. Travailler évidemment pour sortir d'une dualité, hein, d'une dualité du mental. Ça concerne aussi des valeurs liées à l'argent. Et ça concerne aussi visiblement une décision qui a été prise dans le passé. Donc voilà. Alors maintenant, je vais prendre d'autres cas. Et donc, en tout cas, vous allez vous acheminer vers une féminine, hein, une mère de coupe, voilà, qui est hyper connectée, visiblement qui habite peut-être dans un autre pays ou qui est sur une île, où en tout cas il y a beaucoup d'eau et qui est hyper connectée, puisqu'en fait on a un dauphin, hein, donc voilà. Donc c'est une jeune fille ou c'est quelqu'un d'assez, on va dire, très gay, très, voilà. Voilà, c'est peut-être pas, il y a des jeunes filles, mais il y a aussi des femmes peut-être plus âgées qui sont un peu comme des jeunes filles. Et donc évidemment, aujourd'hui, on vous dit de faire évidemment le meilleur choix pour vous, hein. Vous voyez, c'est assez simple. Carte numéro 30, c'est 3, c'est Guimel. Donc en fait, vous allez faire le meilleur des choix, visiblement. Bon, bah, c'est pas le jeu de loi, hein, mais en tout cas, visiblement, vous avez dû énormément travailler, hein. Vous voyez, il y a le cercle complet. Donc là, vraisemblablement, tout ce que vous avez travaillé dans la matière, toutes les formes de redoublement karmique que vous avez, par lesquelles vous êtes passé, les masculins, eh bien, c'est pour faire visiblement le meilleur choix. Donc voilà, donc là il y a eu du temps, il y a eu des lectures, on va dire il y a eu de la paix, vous êtes passé devant peut-être des... voilà, et c'est vraisemblablement quelqu'un que vous n'avez pas vu visiblement. Et donc il y a eu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ouais, vraiment beaucoup de temps. Voilà. Donc, built on solid ground. Donc, voilà. Donc, vous allez faire quelque chose d'extrêmement solide. On va dire, votre underground, c'est ce qui est en dessous. Les racines vont être extrêmement solides. Carte numéro 53. Donc, là, on va mettre vraiment de véritables valeurs, hein. C'est pour ça qu'on a deux fois le pape, hein. Et en même temps, évidemment, ça va être pour votre abondance. Et donc, là, en tout cas, vous allez vous diriger vers l'amour conjugal. Mais moi, ce que je sens, c'est que ça va pas être quelque chose de traditionnel. Vous voyez, c'est moins qu'on puisse dire. Et c'est par rapport en tout cas à une jeune fille de bâton. Donc vous pensez à des féminines, les masculins. Et donc là en fait on vous dit accept what you die, what is die, pardon, dying, pardon. Et donc en tout cas vraisemblablement, eh bien vous allez accepter ce qui est mort. Ce qui est mort, donc c'est des histoires, je vous dis. Bon, y a une histoire, je vous dis, un peu comme dans le film Flashdance, hein. Il y a une nana qui a rien à voir avec le paysage, hein, je veux vous dire. C'est une jeune fille de bâton, mais voilà. Et donc là, vous allez accepter, évidemment, en fait, bon, bah, que votre passé est mort.
Ensuite, begin to explore. Donc là, vous allez visiblement explorer votre intériorité avec le dialogue des Carmélites. Donc en fait, on est vraiment avec des hommes qui sont complètement en train de se transformer. Et donc vous êtes, on va dire, d'une certaine façon, c'est une femme, en tout cas dans votre entourage, hein, voilà, et c'est de cette façon-là, en tout cas, que vous allez faire les meilleurs choix. Les meilleurs choix pour vous, eh bien, vous allez commencer à explorer ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne savez pas. Vous allez sortir évidemment d'un espèce une espèce de mentalité où en fait vous étiez un peu comme comme un pantin, hein. Vous étiez un peu comme un automate, hein. C'est-à-dire que le matin vous vous leviez, ça y est, c'est la déprime, allez, on prend des médicaments, et puis après on va prendre le café, et puis machin, et puis voilà, et puis on voit les gens, et puis le soir, redéprime, re-alcool, remédicaments, voilà. Et donc là, en fait, vous allez sortir de ce système de ce système de vie, de ce système de pensée. Et donc c'est pour ça que vous allez probablement changer d'endroit, changer d'appartement, peut-être vous déplacer dans une autre ville. Et donc en tout cas, et vous allez installer dans votre vie de nouveaux, évidemment, systèmes. Mais là, en fait, c'est des systèmes que vous allez choisir et donc vous allez être dans, on va dire, dans une certaine forme de liberté de pensée et non pas de certaines formes d'automatisme, en fait, de votre cerveau. Alors, je continue. Hop. Donc, on peut dire aussi avec le chercheur, hein, la carte numéro 9, soit vous avez pris énormément de connaissances, hein, pour sortir justement de cette situation, on va dire, récurrente, pour ne, voilà, où vous ne choisissiez pas, hein, finalement, vous choisissiez par défaut. Soit je vous dis, vous sortez d'une situation où visiblement, pour certains, vous avez rencontré des charlatans, des gens qui étaient soi-disant, soi-disant peut-être dans l'occulte et en fait qui vous ont raconté beaucoup de salades. Voilà, et ça concerne directement des choses en fait que l'on vous a dit, que vous avez cru tout simplement. Et là, vous allez construire quelque chose de solide. Alors, là, vous allez cultiver la prospérité. Attendez, je ferme toutes mes cartes parce que là, hop. Alors, communicating freely. Eh bien, vous allez communiquer d'une façon très, très légère, voilà, très en pleine liberté. Donc là, il y a vraiment un rendez-vous, un message, voilà, et c'est quelqu'un qui est en pleine transformation véritablement dans sa vie, parce que en fait, le fait de communiquer de façon libre, eh bien, ce sera pour vous vraisemblablement les masculins les meilleurs choix. Et on vous encourage évidemment, ce qui n'est pas évident. Et donc, vous allez cultiver la prospérité, voilà, vous allez construire solidement, en tout cas, votre vie, hein, voyez, et vous allez cultiver la prospérité. Bon, alors là, the abundance of the universe is pouring into my life. Bon, ben voilà, donc vous êtes en train de planter vos choux, mes amis. Et donc là, on vous dit following your bliss. Donc, en fait, c'est un petit peu comme ça, communicating freely, following your bliss. Et donc, on vous dit, my soul sings with joy, évidemment. Et donc, vous allez vous guérir du passé, vous allez accepter ce qui est mort. Et donc, en tout cas, vous allez en tout cas prendre beaucoup de légèreté. Il y a des gens qui pouvaient vivre dans des châteaux ou dans des endroits, en fait, qui étaient assez classe, hein, vraisemblablement. Et là, en fait, vous en avez marre de vous battre, visiblement aussi, pour des histoires d'argent ou des histoires de châteaux, des histoires de maisons. Et donc, là, vous quittez cette situation. Donc là, on va dire letting go. Hein, donc voilà, si vous partiez, alors c'est bien parce qu'en fait vous allez partir visiblement, vous allez faire des choix pour votre prospérité parce qu'évidemment le symbole du poisson c'est Ictios. Et donc en fait, eh bien vous allez, vous êtes passé par, on va dire, une phase de sacrifice et puis visiblement là vous allez partir avec quelqu'un et ça va être très bien. Hein, voilà. I surrender joyously to my ebbing and flowing of life. Donc vous allez faire pousser des belles choses, vraisemblablement, parce que vous allez commencer par bah, explorer visiblement votre émotionnel. Et c'est par votre émotionnel, évidemment, que vous allez vous décrocher de toutes les croyances, évidemment, du passé. Hein, voilà. Et je vous dis, on y arrive. Hein, je veux dire, moi, je...
Je suis pas voilà et donc je vois très bien en fait les systèmes de pensée. C'est pour ça que je vous dis le matin vous avez une pensée dans la tête et elle est positive. Et ça détermine toute votre journée. Et si vous faites ça jour après jour, évidemment, faut lire aussi, hein. On n'a rien sans rien, mes amis, hein. Donc en fait, il faut travailler votre mental, votre corps, tout, hein. Vous vous trouvez grosse, et ben, vous n'avez qu'à manger des aliments et pas des véritables aliments biologiques et pas des pizzas. Vous n'avez qu'à vous rencarder un peu. Enfin bon, bref, ça concerne tout ce que j'ai dit préalablement. Et je vous dis, c'est comme ça. Ce que vous mangez, c'est votre pensée, hein. C'est pas compliqué, hein. Donc les gens qui se droguent, les gens qui font n'importe quoi, qui boivent des tonnes d'alcool, voilà. Bon, bah écoutez, on est toujours en tout cas aujourd'hui avec des artistes, avec Jean-Michel Basquiat. Donc, on vous dit en guise de toile, trouver un mur. Bon, bah très clairement, vous allez trouver un autre mur, peut-être le mur d'un loft et pas le mur d'un château. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Essayez de collaborer avec Andy Warhol. Donc, là, très clairement, en fait, on vous dit évidemment d'aller trouver des enseignants, d'aller dans des conférences, de changer, on va dire, les synapses de votre cerveau, de ne plus vivre dans votre vie comme un automate. Voilà, et d'aller de désespoir en désespoir, d'aller de dépression en dépression et de relations, on va dire, en relations qui sont souvent évidemment des charlatans. Donc là, il va falloir, en tout cas pour les personnes qui écoutent, hein, il n'y a pas que les masculins, il y a aussi les féminines, eh bien, il faut aller, si vous voulez, il faut casser un cercle, voilà. Il faut casser les chaînes, il faut se prendre en main, hein, je veux dire, et personne ne se travaille, je vous dis, personne ne le fera à votre place. Donc voilà, donc il y a mille et une façons de le faire, et là, c'est le moment, vraisemblablement. Et donc là, nous avons Orlane. Alors, pour certaines, ça va être peut-être de la chirurgie esthétique, hein, j'en sais rien, parce qu'en fait, Orlane est une artiste qui évidemment, s'est transformée elle-même, hein. Évidemment, c'était son manifeste, là, évidemment. Elle reflétait en fait ses pensées. Bon, après, c'était assez horrible. Donc peut-être que ses pensées étaient assez horribles. En tout cas, elle était assez honnête, on va dire, dans son manifeste artistique. Et donc on vous dit, n'ayez pas peur de souffrir. L'art est un anesthésiant. Et donc pour d'autres, en fait, vous allez créer votre vie, hein, vous allez faire de votre vie peut-être une œuvre d'art. Et en tout cas, ça va anesthésier votre passé, visiblement, et surtout vos souffrances. Évidemment, quand on décide de penser d'une autre manière, eh bien, évidemment, les émotions récurrentes qui étaient dans votre passé, elles vont avoir du mal à arriver ou à repasser. Donc voilà, et donc en fait vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel. Donc là en fait ça concerne aussi évidemment de la pensée, hein. C'est une carte qui est sortie hier je crois, ou avant-hier. Et donc là en tout cas vous allez ciseler en tout cas votre pensée dès le matin, hein. Moi c'est ce que je vous recommande. Et bon, il y en a qui vont vraiment s'accrocher, on va dire. Peut-être à des choses religieuses ou peut-être, enfin, accrochez-vous à ce que vous voulez, mais que ce soit quelque chose de nouveau. Et ça vous évitera évidemment d'aller regarder des vidéos en boucle sur YouTube où on ne vous parle évidemment que de triangulaire, de soumission, de culpabilité et évidemment de redoublement karmique, hein, puisque c'est un petit peu ça. Donc là, en tout cas, visiblement, par rapport à cela, vous allez cultiver votre prospérité, votre abondance. Il y a des gens qui vont vraiment avoir une très grande transformation physique, c'est ce que je vois, en tout cas. Et donc, en fait, on vous dit, devenez votre propre paradigme, évidemment. Voilà, on peut prendre, en fait, des modèles sur les autres, mais en finalité, évidemment, il faut avoir son propre type de pensée, son propre ADN de la pensée. Hein, il ne faut pas ressembler aux autres. C'est aussi ce que faisait Orlane dans ses, on va dire, ses expositions. Et c'est pour ça qu'elle s'était fait modifier le visage. Donc là, il y a beaucoup d'esthétique, mes amis. Donc, Francisco Goya, bon, on l'a eu hier. Donc, en fait, là, eh bien, vous allez accepter ce qui est mort. Hein, voilà, hein, de toute façon, on ne peut pas faire autrement dans la vie.
En cas d'urgence, suivez les panneaux exil. Hein, donc, clairement, des gens se déplacent. Hein, vous allez trouver un autre endroit visiblement qui vous convient. Vous en avez marre d'être entouré de personnes qui ressemblent plutôt à des diables, visiblement, qui vous emmerdent un peu. Voyez, vous avez des gens autour de vous qui vous donnent véritablement de très mauvais conseils. Ça concerne aussi des gens qui peuvent être dans l'occulte, hein. Je me permets de le dire parce que c'est sorti, hein, et c'est des gens qui vous empêchaient visiblement de trancher, qui vous empêchaient de faire un choix ou qui vous déséquilibraient complètement dans votre énergie de vivre, dans votre énergie karmique. Et donc, en fait, une bonne caricature n'est pas une exagération. Et donc, en fait, alors c'est intéressant parce que vraisemblablement vous allez vous projeter les masculins d'une certaine façon et vous allez grossir les traits. Et c'est assez bien finalement de faire cela parce que comme ça vous allez avoir une vision globale des choses, hein, une vision globale de votre intériorité. Ça concerne aussi, ça concerne, je vous dis, des flash dance, hein, ça concerne aussi des personnes autour de vous, des cavaliers, des gens qui peut-être travaillent avec vous. Et donc en tout cas, bon ben. Même si vous n'arrivez pas trop à capter, on va dire, leur intériorité, leur personnalité, eh bien, en grossissant les traits, évidemment, eh bien, en tout cas, vous allez quand même arriver à capter une certaine réalité. Et ça concerne des charlatans. Ça concerne des charlatans et ces gens-là, vraisemblablement, ont beaucoup manipulé l'occulte. Et donc là, vous allez accepter grâce à cela ce qui est mort, parce que la vérité prend forme dans les ténèbres. Et oui, la vérité prend forme dans les ténèbres, et on est aussi sur une personne qui est chez elle et qui est en train de cheminer justement par rapport à son passé, carte numéro 9. Cette carte est aussi la carte de l'ermite. Et donc, y a l'ermite, mais il y a quand même beaucoup d'ésotérisme, mes amis, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Voilà, donc moi j'ai la carte du charlatan, c'est assez simple. Donc là, vous allez garder votre argent parce que visiblement, ça a dû couler à flot. Et donc, eh bien, nous avons Frida Kahlo hein, sur Letting Go et sur Begin to Explore. Et donc, en fait, eh bien, avec vos multiples douleurs, vos multiples trahisons, eh bien, vous allez faire comme Frida Kahlo. Eh bien, vous allez être peut-être en convalescence toute votre vie. Et donc, en fait, on vous dit, eh bien, on ne crée pas sa véritable vie sans douleur, évidemment. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on était quand même tous très, très feignants. Donc, vous sortez d'un désert. Vous voyez, elle est dans le désert. Hein. Voilà, c'est le désert de votre vie. Vous êtes entre l'ombre et la lumière. Vous êtes entre deux. Vous êtes en plein choix. En tout cas, visiblement, vous avez choisi, puisqu'on est sur un 2 de denier à l'envers. Et on est sur un 5 de bâton à l'envers. Et vous avez choisi vraisemblablement, peut-être par rapport à une artiste ou en tout cas quelqu'un qui a beaucoup d'abondance. Et c'est la personne principale, en tout cas dans votre vie, les masculins. Donc en fait, c'est intéressant parce que c'est comme c'est en explorant votre émotionnel, visiblement que vous allez. En explorant votre désordre, puisque là on est en plein marasme, hein, en plein marasme émotionnel, eh bien vous allez décider que finalement les regrets sont totalement inutiles dans votre vie. Et ça concerne aussi peut-être, je vous dis, un héritage. Vous êtes dans des histoires de justice avec des maisons ou un château ou un truc comme ça. Voilà. Et donc ce qui vous retient dans cette situation, je vous dis, c'est que vous vous accrochiez en fait à d'anciens problèmes, mais vraisemblablement là, ça va plus être le cas. Et donc en tout cas, eh bien, l'art est votre plus fidèle compagnon. Donc ça peut concerner une féminine qui est dans l'art ou qui est très artiste, ou en tout cas qui a, on va dire, un fort potentiel de création et d'imagination. Et donc, en tout cas, visiblement, avec cette personne, hein, Harry rencontre Sally, hein, je veux dire, il y a vraiment une rencontre, hein, c'est assez imminent, visiblement, eh bien, vous allez externaliser, extérioriser, c'est l'extérieur, vous allez passer d'un monde intérieur à un monde extérieur, comme cette carte le voit, et visiblement, la personne qui va vous faire passer de l'un à l'autre, c'est une femme. Et donc, externaliser votre monde intérieur.
Et vous allez sortir de votre désert, désert émotionnel, de votre désert mental, de votre désordre, voilà, parce que y a une relation mystique avec le dialogue des Carmélites. Alors, on va un petit peu avancer. Donc là, c'est bien parce que bon, c'est le bordel, hein, on est en complète désorganisation, mais parce que bon, la tour, je vous dis, c'est hard. Mais en tout cas, c'est pour le mieux. Donc là, nous avons la carte de la solitude. Voilà, donc en fait, on va dire que c'est, on va dire, dans l'introspection et dans la solitude que vous avez, que vous allez communiquer de façon libre. I communicate from the depth of my being. Donc voilà, donc en fait, alors là, ça concerne un dirigeant. Donc bon, le dirigeant, visiblement, il va faire de la chirurgie esthétique. Il va faire de la chirurgie esthétique, il va cultiver sa prospérité. Hein. Visiblement, vous n'avez plus envie finalement de jouer un rôle. Voilà, vous n'avez plus envie de jouer un rôle, les amis. Ensuite, bon, bah écoutez, là, on va être rebelle. Hein. On va être rebelle peut-être à un redoublement karmique. Hein. Vous allez sortir de quelque chose visiblement qui vous emprisonnait. Hein. Ça peut concerner, je vous dis, des personnes autour de vous qui sont dans l'occulte ou qui vous envoyaient des mauvaises énergies. Et ça peut concerner aussi de la justice. Voilà. Et donc là, on a quand même la carte numéro 13. Hein. Donc en fait, sur l'arcane sans nom, vous allez vraisemblablement couper en suivant évidemment les panneaux exil, mes amis, de Francisco Goya. Donc vous allez vous exiler et ça va être en fait là vraiment là il y a une prise de pouvoir importante hein, de la part de la part des masculins en tout cas par rapport à quelque chose qui est récurrent si vous voulez par rapport à un truc là il y a un gros enlisement et donc en tout cas ce qui est intéressant c'est que on est plus sur la trahison. Là, on va aller visiblement avec une Frida Kahlo sur quelque chose qui a rien à voir avec la trahison. Et donc, on vous dit « letting go hein, », bien sûr, voilà. Et donc, vous allez en tout cas explorer vraisemblablement, explorer aussi de nouvelles idées, de nouvelles pensées de votre mental. Voilà. Et bon, après, il y a des efforts à faire. On est sur un 8 de demi, hein, mes amis, hein. Donc, il y a des histoires avec de l'argent aussi. Hein. Voilà. Il y avait une histoire de trahison par rapport à un homme et une femme aussi. Alors, je continue. Donc, il y a des gens qui vont rompre avec leur solitude. Hein. Parce que vous allez faire les meilleurs choix pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc là, eh bien, effectivement, il y a des féminines, ça va être un peu comme le guide des traversées. Hein, voilà, vous allez pouvoir faire les meilleurs choix par rapport à une femme, visiblement, qui est assez, qui est une femme principale hein, dans votre vie, les masculins. Donc là, en fait, eh bien... par rapport à un dirigeant, bon bah vous avez un manque d'ancrage. Hein. Écoutez, c'est complètement normal. Hein. On est en pleine déstabilisation et en plein désordre émotionnel. En tout cas aujourd'hui, avec la tour. Hein, donc voilà, des choses arrivent. Vous allez sortir de cette solitude visiblement. Donc là, évidemment, par rapport en fait au fait que vous avez peut-être été rebelle aussi, on va dire. À des choix, vous hein, voyez, parce que il est possible que vous êtes aussi dans l'exil de votre mental. Et donc, en tout cas, ça vous a mis dans une certaine forme de solitude et ça vous a empêché visiblement de construire votre vie. Voilà, vous avez été rebelle et ça vous est peut-être aussi retombé dessus.
Alors, bah là, on est encore sur la carte du dirigeant. Bon, bah écoutez, là, vous allez reprendre votre vie en main parce que visiblement, vous étiez parti loin, mes amis. Vous étiez en exil de vous-même, en exil aussi de votre vie. Et donc là, en tout cas, vous allez visiblement reprendre du poil de la bête. Donc là, visiblement, vous sortez d'un redoublement karmique important. Et visiblement, il y a une personne, en tout cas, qui va... qui est le guide des traversées, c'est ça. Hein. Et c'est maintenant. Hein. Donc, il y a une personne qui communique ou qui va communiquer de façon libre. Voilà, vous allez communiquer vos émotions, ce que vous ressentez. Et ça va être vraiment l'ouverture de votre nouvelle vie, hein, les masculins. Parce que vous manquez d'ancrage, là, c'est... je veux dire, il y a des gens qui sont en train de se transformer. La transformation n'est pas évidente. Ben voilà, je vous dis, la folie. La transformation n'est pas évidente. Donc voilà, il y a des personnes qui, par rapport en tout cas à la façon dont les choses se passent, voilà, on est entre la folie et l'alchimiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la carte est à l'envers. Donc là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport en tout cas à votre vie, hein, évidemment, puisque la tour est en train de tomber. Voilà, et voyez, vous étiez peut-être pour certains le dindon de la farce. Hein. Voilà, et ça vous a mis dans la solitude, et pour d'autres, vous ne parliez plus, vous étiez totalement en retrait. Donc là, en tout cas, vraisemblablement, par rapport à la fin d'un parcours, eh bien, ça va être une grande réussite. On est sur un 3 de coupe. On est sur un 3 de coupe. C'est par rapport justement. Alors, il y a peut-être des gens, comme j'ai dit, qui étaient un petit peu, qui étaient en train de cultiver leur prospérité. On va dire, à la campagne. Hein. Et là, vous allez comprendre en fait la façon dont il faut, on va dire, changer votre vie. Et vous allez reprendre en fait reprendre votre santé en main, reprendre votre visage en main, visiblement, hein, avec Orlan. Hein, vous allez faire de la chirurgie esthétique, vous allez vous transformer. Alors évidemment, je n'encourage personne à faire de la chirurgie esthétique, mais il y a quand même ça, et c'est revenu quand même plusieurs fois. Et donc, en tout cas, eh bien, vous allez vous poser la question, vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel? Là, évidemment, ce n'est pas de la superficialité, hein, c'est des personnes, en tout cas, qui veulent tout simplement être mieux dans dans leur peau, hein, voilà. Et donc, là, visiblement, ça va être pour vous une grande réussite. Alors, ensuite, on est avec le questionnant. Donc, bon, écoutez, c'est le chaos, évidemment. Bah oui, vous vous rebellez. Donc là, évidemment, là, vous faites tout péter, hein, les amis. Vous faites tout péter. Donc, c'est pour ça qu'on a l'architecture à l'envers, parce que c'est l'architecture de votre ancienne vie que vous êtes en train de casser, ou en tout cas, vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose de complètement nouveau. Et donc, ah là là, mon Dieu, et oui, le mal certain, c'était une reine de deniers inversée. Et donc là, vous êtes en train de reprendre votre vie parce que visiblement, cette femme, vous avez pris le volant de votre voiture, et pas que de votre voiture, peut-être de votre argent aussi, avec le 8 de denier, visiblement. En tout cas, cette femme dirigeait votre vie et visiblement dirigeait aussi vos choix, hein, puisqu'on a quand même un 2 de denier, et puisqu'il est à l'envers, évidemment, cette personne, visiblement, eh bien, n'est plus dans le paysage, ou en tout cas, n'est plus là pour vous faire prendre des choix, et peut-être aussi des vessies pour des lanternes. Donc voilà, donc carte numéro 65, ça fait 11, donc on est bien sur une prise de conscience, mes amis. Voilà, et c'est une femme brune, mais ça peut être une blonde. Alors, ensuite, je vais faire ta, 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 le tarot des Illuminati. Alors évidemment, je ne suis pas adepte des Illuminati, mais ce tarot est dans mes nombreux jeux. Donc ça va parler à des gens, voilà. Bon, il y a des gens qui sont là-dedans, évidemment, ça va leur parler doublement, puisqu'il va falloir qu'ils sortent évidemment de ces histoires assez pourries d'ailleurs. Voilà, évidemment. Donc c'est pour ça que j'avais mis aussi l'opéra avec Faust, avec tout ça, parce que
Il y a des énergies comme ça. Donc là, vous aussi, par rapport à ça, par rapport en tout cas à ces cercles vicieux en fait, qui sont très, très enfermants et totalement destructeurs, hein, il y a des gens, c'est une catastrophe. Eh bien, en tout cas, les Illuminati, ben, pour ceux qui sont dedans, eh bien, vous allez sortir de ça, évidemment. Voilà, et je pèse mes mots. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais adepte. Alors bon, il faut vraiment... Voilà, tout est juste, mes amis. Donc là, on est encore sur un empereur, donc quelqu'un qui repart, on va dire, en croisade, mais de sa vie, évidemment. Quelqu'un qui a une belle armure ruisselante, je ne sais pas. Vraisemblablement, quelqu'un qui s'est totalement transformé physiquement, mais surtout intérieurement, évidemment. Et ça, c'est suite à un très très long moment de solitude, mes amis. Alors là, nous avons le fou. Bah oui, on est bien sur un commencement. Donc, on est en train de cultiver sa prospérité. Mais bon, là, c'est vraiment à l'état de germe. Mais en tout cas, avec un 3 de coupe, eh bien, vous allez célébrer visiblement cela. Vous allez célébrer aussi votre transformation physique, qui est visiblement pour certains et certaines importante. Et donc, on vous félicite, hein, puisque ça va aller, évidemment, on est sur des hauts potentiels, donc bah, tout va bien se passer et vous allez aimer votre reflet maintenant. On est sur un 8 de pentacle, donc vous voyez, il y a des mecs qui sont très, très musclés pour bosser par rapport au chaos, en fait, de leur vie. Et on les félicite, évidemment, puisqu'ils vont traverser cela, puisqu'ils vont être très rebelles, visiblement. Donc, le 8, évidemment, on travaille énormément. Voilà, on travaille beaucoup. Bon, après, il y a des petits gains, mais c'est pas... Et donc là, en tout cas, on est avec une princesse d'épée. Donc, en fait, on va dire sur une reine de denier, voilà, qui part, hein, qui a fait beaucoup de mal. Hein. Visiblement, c'est quelqu'un qui vous a mis assez... voilà, qui vous a vidé votre porte-monnaie, vos comptes en banque, qui vous a piqué votre maison... Enfin voilà, c'est un peu, enfin qui vous a trahi sur vos valeurs, sur les valeurs traditionnelles, sur les valeurs d'un héritage, sur les valeurs de votre vie passée. Enfin bon, c'est quelqu'un qui vous a carrément foutu par terre, foutu KO, hein, visiblement. Et là, il y a une princesse d'épée, hein, qui pointe son nez, donc c'est la personne principale. Et c'est intéressant parce que là, on est vraiment sur l'intellect et on est aussi sur la création d'un intellect. Donc, en fait, ce qu'on peut dire que le guide des traversées, vraisemblablement, eh bien, c'est une femme, visiblement, qui tient bien son épée droite, hein, et puis, et qui est en même temps reliée au divin. Vous voyez, il y a un côté intellect et un côté dialogue des carmélites entre les deux, il y a un truc hyper mystique. Voilà, on est sur un équilibre, on va dire, entre Kéter et le chakra de la gorge, le chakra émotionnel aussi. C'est peut-être aussi un homme. Et donc, il faudra faire très très attention, mes amis, hein, suite à, en tout cas à votre choix, puisque derrière, en automne, donc c'est novembre, hein, nous allons avoir de la jalousie. Hein, donc là, vous allez déguster côté jalousie, les amis, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout accepter vos choix. Et cette jalousie, visiblement, concerne une femme brune pour certains, une reine de denier, quelqu'un qui vous a foutu vraiment mal. Et donc voilà, donc là il y a des. Et donc là, la personne principale, en tout cas visiblement dans votre cœur, c'est une reine d'épée. C'est une reine en fait qui a beaucoup de connaissances. Alors ensuite, je vais faire Ganesh. Hein, voilà. Oh bah attendez, c'est dingue, ça tombe de partout. Oh là ! Bénédiction, mes amis. Bon, bah écoutez, faites le bon choix parce que c'est bon. Voilà, ok. Et alors, attendez, parce que j'ai une espèce de carte qui s'est bloquée là-dedans. Voilà, et donc, évidemment, ça va être les prières exaucées. Hein, donc, voilà, rendez-vous, communication libre, voilà, les meilleurs choix. Tout est bien, on va dire, hein, voilà. Donc là, bon bah écoutez, vous allez aller vers votre prospérité. Bon, après, vous êtes en train de mettre des graines, hein, dans votre champ. Hein, donc, bon, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc voilà. Mais ça, il faut. Il y a des gens là, il faut qu'ils sortent de leur cercle de mental. Voilà, c'est arrêter le matin quand vous vous réveillez, vous vous dites.
Ah non, mais là, ça va pas. Et vous avez le truc qui tourne. Vous mettez qu'un seul disque sur votre manche disque. Et ben, c'est clair que là, ça va pas. Ça peut rien donner. Mais si à partir du moment où vous décidez de faire quelque chose de complètement différent, alors la chose la plus simple, en fait, ben, vous prenez peut-être tout simplement votre vélo, votre voiture, bon, votre avion éventuellement, votre train, et puis vous allez ailleurs pendant un certain nombre de temps. Et donc là, en tout cas, ou tout simplement, vous allez dans une forêt, vous allez vous balader une journée dans une forêt, et vous allez vous rendre compte, en fait, que rien, reconnecté, en fait, à la terre, eh bien, ça vous change vos idées, changez votre nourriture intellectuelle, commencez par votre pensée. Combien de personnes, en fait, quand vous vous réveillez, vous dites, bon, allez, maintenant, je pense à quelque chose de positif, je fais quelque chose de positif. Eh bien, si vous faites quelque chose de positif, si vous pensez en fait à un projet, à quelque chose qui vraiment machin, et si vous le faites tout le temps, eh bien, je peux vous dire que les pensées pourries, les pensées des autres, en fait, elles ne rentreront plus dans votre cerveau. Bon, j'arrête de parler, c'est vraiment, à chaque fois, c'est trop long. Raffinement, évidemment, c'est le raffinement de la pensée. Et donc, il y a peut-être des gens aussi qui vont tout simplement se mettre à la musique, tout simplement pour changer, évidemment, leur structure intellectuelle. Et donc, en tout cas, eh bien, on va arriver sur de là, évidemment, générosité. Donc, par rapport à une féminine, eh bien, en tout cas, un homme va être assez généreux. Carte numéro 10, eh bien, il va y avoir un très gros rééquilibrage karmique. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est... Voilà, bah, j'ai tout dit, les prières seront exaucées, on a quelqu'un qui est complètement, qui va sortir en tout cas de son bocal, hein, de son bocal héréditaire, hein, donc voilà, ça va devenir un empereur, et puis là, je vais vous dire, il va falloir y aller. Et derrière ça, en fait, on a l'as de coupe, hein, ce qui est très bien, ce qui est très bien, et donc en fait, on est aussi sur le dialogue des Carmélites, et bien en tout cas, ce qui est génial, évidemment, c'est que c'est masculin et vous-même, eh bien, vous êtes en train de faire les meilleurs choix dans votre vie. Et puis, ben, en tout cas, vous allez communiquer librement ce que vous avez envie de faire, voilà ce qui s'est passé, voilà, ça va être hyper fluide. Et de cette façon, cette communication, en tout cas, va vous permettre de healing the past. I step into my future with strength and clarity. Donc en fait, eh bien, vous allez vous guérir du passé et de cette façon-là, eh bien, vous allez avoir des idées claires. Bon, eh bien, voilà, c'est fini et je vous dis à demain.